qu'on puisse pas lancer la journée. Un, deux, un, deux. Moi, j'aime bien parler au micro. J'ai jamais pu faire une carrière de chanteur. Bon, bah déjà, bienvenue à toutes et à tous. On est content de vous retrouver, ça vous le savez. On a une météo qui est plutôt pas mal. C'est en train de se lever. C'est comment de l'autre côté? Ça va? Donc, vous connaissez le format des journées. On est sur une journée avec l'esprit de gentleman. Gentleman, plutôt. Donc, gentleman, ça veut dire qu'on est là pour passer un bon moment. On est là pour profiter à la fois des produits que vous avez. Pour profiter aussi, pour ceux qui sont les néophytes, de commencer à approcher des notions de pilotage. Donc, sur ces journées, les journées du BMW Club France, on a vraiment à cœur de maintenir un niveau de sécurité qui est le plus haut possible. Donc ça veut dire tout simplement que les gens les plus expérimentés doivent impérativement faire très attention aux gens qui sont les moins expérimentés. Donc on parle souvent des déplacements, comment ça se passe en piste. Quand vous avez de l'expérience, quand vous êtes plus rapide, c'est vous qui êtes garant de la sécurité des moins rapides et des gens que vous dépassez. Ça veut dire que vous devez aborder chaque personne que vous dépassez comme si elle ne vous avait pas vu. Je pars tout de suite sur les règles de dépassement. En ce qui me concerne, moi j'aime bien appliquer la règle suivante, c'est-à-dire que la personne qui se fait dépasser reste sur sa trajectoire en possible. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, tout va bien. Donc, la personne la moins rapide reste sur sa trajectoire de consigne, c'est super important. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que quand on se concentre et qu'on pilote, c'est déjà compliqué d'être sur la même trajectoire, surtout quand on découvre le circuit. Ensuite, si vous commencez à essayer de mettre hors trajectoire, c'est très sérieux. Mais surtout, si on met hors trajectoire, on sait que c'est le se passer. Au Val-de-Vienne, vous avez quand même des portions de ligne droite suffisantes pour pouvoir effectuer les dépassements dans la mesure du possible dans les portions donc, les plus rapides, les plus droites. Donc essayez de ne pas prendre de risques. Vous verrez assez rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas le circuit, qu'il y a quelques virages dont on connaît les noms au moins de renommée, comme le trop tard, le trop vite. Voilà, tout ça, ce sont des virages qui sont compliqués à prendre déjà quand il n'y a personne. Donc évitez de vous mettre à d'autres fronts quand vous rentrez dans ces virages-là, par exemple. Ça sera toujours beaucoup plus facile pour vous, après, pour pouvoir effectuer le dépassement. En ce qui concerne votre roulage, le conseil à retenir, c'est quand vous abordez donc, le pilotage, quand vous êtes néophyte, vous ne connaissez pas forcément les valeurs de pression à mettre dans vos pneumatiques, vous ne savez pas exactement quel rythme adopter avec vos voitures. Je vous rappelle que les voitures, aussi sportives qu'elles soient dans la gamme, ça reste des autos qui sont polyvalentes. Donc il ne faut pas en attendre des performances de pure voiture de piste. Certains d'entre vous ont fait des préparations qui sont extraordinaires. Je pense aux voitures qui sont juste derrière vous, notamment, parce que c'est les premières que je vois. Il y en a d'autres. Ce sont des autos qui ont été extrêmement modifiées pour pouvoir résister à un roulage endurant avec un rythme accru. Quand vous avez une voiture de série, même si elle fait 500, 600 chevaux, qu'elle a des freins qui sont ultra performants, c'est une voiture qui aura besoin de refroidir. Donc pensez bien au fait que quand vous roulez, vous devez rouler avec du rythme, mais vous devez penser aussi de temps en temps à effectuer des tours de refroidissement. Alors, comment faire? Il ne s'agit pas de rouler à 60 à l'heure sur la piste, auquel cas ça devient dangereux parce que vous êtes un obstacle. Il faut tout simplement diminuer votre rythme, essayer d'effectuer des freinages un peu plus doux, et bien penser à relâcher surtout le rythme avant de rentrer au stand. Quand vous rentrez dans les stands, dans votre dernier tour, et vous vous arrêtez, il n'y a plus de ventilation au niveau de vos autos. Donc forcément, comme il n'y a plus de ventilation, il y a une inertie thermique, les moteurs montent en température, les freins aussi.